faut que je vous dise quelque chose quand même avant de commencer, c'est que en faisant cette émission, je reçois beaucoup de courriers. Il y a une question qui revient tout le temps. On me dit, est-ce que, en tant que mentaliste, je travaille avec la police? Alors la réponse, non. Je ne travaille pas avec la police. Moi, mon métier, c'est de faire des spectacles et puis de vous divertir. Je suis là que pour vous divertir. Mais je me suis dit qu'on allait faire une petite expérience ensemble, une sorte de petite murder party. Oui. Voilà, autour d'un jeu que tout le monde connaît, mais que nous ne nommerons pas. Vous savez, c'est ce jeu, il faut deviner l'arme du crime, le lieu. Une meurtre partie. Une meurtre partie, on va dire ça comme ça. Alors par exemple, vous voyez là, j'ai un dé où on peut choisir en fait l'arme du crime au hasard. On a par exemple ici une corde, on a ici un revolver, là c'est un poison, d'accord. Il y a un couteau, il y a la corde dans la vue, il y a le revolver, il y a le chandelier. Bref, tenez, cher Christophe, prenez ça et vous allez regarder toutes les armes qu'il y a possibles. Et puis on va faire une petite expérience pour commencer ensemble. C'est vous qui allez être le meurtrier, comme ça on sait que c'est vous. Et puis d'abord, il va falloir choisir une arme. Alors, tenez, je vous donne le gobelet, vous mettez le dé à l'intérieur, vous mélangez un petit peu. D'accord. Et vous me... Je choisis d'abord ou pas? Alors, sans choisir, là pour l'instant, on va le faire le hasard. Okay. Mélangez un petit peu. Mélangez. Voilà, vous regardez, vous êtes sur quelle arme là par exemple? Dites-nous. Poison. Le poison, remélangez encore un peu. Là, sur quelle arme maintenant? Chandelier. Chandelier, remélangez encore un peu. On sait revolver. Pas. Revolver, d'accord. Ça change à chaque fois, c'est oui. Ça qui est important. Ouais. Alors attention, maintenant ça compte. Vous mélangez un bon coup. Vous regardez discrètement, personne ne filme quoi que ce soit, c'est bon. Si cela vous convient, vous pouvez le garder, sinon vous pouvez changer. Je suis bien. C'est bien, d'accord. Un petit regret quand même, mais c'est bien. Oui. C'est peut-être pas ce que vous auriez utilisé dans non. La vraie vie. OK. Alors, attention, moi je mène l'enquête, cher Michel. On y va. Ça peut être un couteau, ça peut être une corde, ça peut être un chandelier, ça peut être le poison. Ça... Le chandelier, c'est juste? Oui, c'est ça, on est là-dessus? OK, je l'ai vu dans les yeux. Attendez, c'est peut-être un simple coup de chance. Remélangez un petit coup quand même et vous regardez discrètement. Je laisse transparaître. Ah, c'est ça, on communique, c'est ça. Je ne regarde plus, je ne vous regarde pas dans les yeux. Alors moi, pour l'instant, je ne vous regarde pas. Vous me dites, vous regardez, c'est bon, c'est vu? Oui. OK, alors attention, ça peut être couteau. Non. Corde. Peut-être. Chandelier. Revolver. Poison. Je commence à sourire un peu. Marteau. Attendez. J'adore, j'écris quelque chose. Vous pouvez regarder, mais... On ne montre à personne. Hein. Ah si, fermez les yeux, je montre à la caméra. Mais gardez les yeux fermés, Christophe, gardez bien les yeux fermés. Mais si c'est à quoi moi je pense, gardez les yeux fermés, cher Christophe, voilà, moi je vois ça. Est-ce que vous pouvez nous dire l'arme que vous avez décidé d'utiliser pour commettre votre meurtre? Le poison, non? Le poison, on y oui, était, oui, absolument, c'est ça. Bon... Alors, cette fois-ci, maintenant, on va s'atteler à choisir un lieu. Alors ici, j'ai sur un dé aussi, il y a tous les lieux connus dans cette petite expérience. La cuisine, par exemple. Ici, on a la bibliothèque. Là, c'est la salle de bowling. On a aussi... Il y a un savon, là, qui est pour la salle de bain, évidemment. Pas mal. Oui, une salle de... Pas de salle de bowling, pardon, une salle de billard. C'est vrai que ça ressemble un peu à une boule de bowling. Tenez, on va changer de dé. Et puis vous prenez celui-là, et là, cette fois-ci, vous allez choisir un lieu. Alors mélangez. Vous regardez, si cette pièce vous convient, ça va? Oui? Oui, j'aime bien. OK, alors. OK. Attention, je vais vous donner des... Imaginez-vous dans cette pièce-là. Mm-hmm. Essayez de regarder un peu autour de vous, ce que vous voyez dans votre pièce. Et maintenant, je vais vous donner des objets, surtout vous ne réagissez pas. Ce sont des objets qu'on peut trouver dans plusieurs pièces à la fois. Je suis obligé de vous regarder. Vous êtes obligé de me regarder. Ah. Un portrait. Un fauteuil, une cuillère, une lampe, du whisky, une serviette, une rose, une bougie. OK. Alors, attendez. J'écris quelque chose là. Là, je ne montre pas. Vous, nos chevaliers, ont le droit de regarder, mais pas la caméra. Vous êtes où dans votre esprit? Dans quelle pièce? Dans le salon. Dans le salon. Là, on est pas mal, hein? Le salon, on y est. Attends, là, on voyait rien, là, ce soir. Non, c'est pas mal. Alors, là, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est que je crois que le poison, c'est vraiment l'arme que vous choisiriez si vous deviez... Ah ouais? Oui, je le sens. Je le sens. C'est un peu mesquin, je trouve. Si, ça transpire. Mais on va faire autrement. Regardez, là, maintenant, on va choisir la victime. Mais cette fois-ci, je ne veux pas que ce soit le hasard, même si vous pouviez changer d'avis comme vous le souhaitiez. Là, j'aimerais vraiment que vous choisissiez. On a les classiques. On a Mademoiselle Rose, le professeur Violet, Madame Pervenche, le colonel Moutarde. Prenez ça. Je vous libère ici avec ce dé-là. Et mélangez... Un peu, mettez ça dans le gobelet et vous allez choisir, d'accord? C'est important,
Vous pouvez le choisir vous-même. Hein. Ah d'accord. D'accord. Ça. Voilà, vous regardez, vous le mettez dans le gobelet comme si c'était le hasard qui était tombé là-dessus. Et dès que c'est fait, vous refermez immédiatement. Hein. Ouais, je vous laisse prendre le temps de. Je fais connaissance. Oui. Faites connaissance avec votre victime, c'est très important. C'est vous l'assassin. Voilà. Hein. C'est bon. Parfait. Gardez. Je vérifie bien, parce que j'ai une mémoire très courte. Non, c'est bon. Fermez bien. Alors, ce qui est important, c'est que là, je ne vais même pas vous poser une seule question, parce que je ne veux pas vous poser de questions. Je ne sais pas ce que vous avez choisi. Là, ce n'est pas le hasard, c'est quelque chose que vous avez choisi. Le mentaliste, il doit aussi prévoir un peu ce qui va se passer. Là, j'ai une enveloppe, c'est un peu une preuve, vous voyez, c'est un scellé. On va ouvrir le scellé. Je ne veux même pas savoir ce que vous avez choisi, je ne veux même pas. Moi, j'ai senti quelque chose. J'ai senti quelque chose avant le début de l'expérience. Il y a un papier ici, j'arrache complètement la preuve. Ça y est, maintenant, les indices sont compromis, mais on dit quelque chose, c'est... Quel est le personnage que vous avez choisi d'assassiner cruellement avec le poison ? Monsieur Olive, le choix de la victime se portera sur Monsieur Olive, précisément. Alors, on a le triptyque. Non. On a le triptyque. Mais c'est flippant. Victor Vincent. Merci beaucoup. Merci. Bon,